nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. C'était déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque. Alors, il fut saisi de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, après la multiplication des pains et s'étant retiré dans la montagne, pour ne pas que la foule l'enlève pour faire de lui son roi, comme nous l'avons entendu dans l'évangile d'hier, Jésus demeurait sur la montagne, décide de rejoindre ses disciples déjà engagés dans la traversée de la mer avec leur bac. Mais cette fois-ci, tous les éléments de la nature semblent être contre leur traversée au point où, en plus des ténèbres qu'il y avait déjà, un grand vent soufflait et la mer était agitée. En plus de cela, les disciples voient Jésus qui marchait sur la mer en se rapprochant de leur barque. Chose à la fois étonnante, spectaculaire et inquiétante, parce que remplie de peur avec une telle expérience. Je voudrais, chers frères et sœurs, que dans ce récit de la marche de Jésus sur la mer, que nous contemplions ensemble, deux attitudes. La première est de contempler les disciples qui s'engagent seuls dans la traversée de la mer, laissant Jésus sur la montagne. N'est-ce pas ici notre humanité qui décide de prendre le risque de cheminer seul, sans Dieu? Ou n'est-ce pas notre propre histoire dans notre façon de vouloir faire route seul dans ce monde en écartant Dieu? En chemin, les disciples ont pris peur devant la réalité de la nature, parlant de l'obscurité du vent qui soufflait et de la mer qui était agitée. Fort heureusement que Jésus les a rejoints pour les rassurer. Deuxièmement, je voudrais que nous contemplions Jésus qui décide de rejoindre ses disciples en marchant sur les eaux. En marchant sur les eaux pour rejoindre ses disciples, Jésus se révèle comme celui qui est plus puissant, plus fort que tout. Lui seul peut nous rassurer devant les difficultés de notre vie en nous disant « C'est moi, n'ayez pas peur ». Oui, chers frères et sœurs, si nous acceptons de faire route, de faire chemin avec Jésus, notre vie même, si elle sera souvent ballottée par les épreuves de cette vie, ne sera jamais ébranlée, car nous aurons Jésus le ressuscité à nos côtés. Laissons-nous donc rejoindre par le ressuscité et nous verrons que notre vie sera heureuse malgré les difficultés de cette vie.
Amen. Allez partout, proclamez la bonne.